Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur Brawl Stars et aujourd'hui on va débloquer beaucoup, beaucoup de récompenses puisque j'ai plus de 1500 trophées de récompenses à ouvrir. Vous voyez, regardez-moi ça, on a du beau, on a de la boîte, on a de la méga boîte et on a également des points de pouvoir pour des brawlers à débloquer. Donc c'est très très cool, ça fait plaisir et on va pouvoir faire après quelques petites games avec Beau pour essayer de découvrir un petit peu comment il fonctionne. Allez, on commence tout de suite directement par 150 pièces. Bah écoutez, c'est bon à prendre, on prend toujours ça, ça permettra d'augmenter quelques petits brawlers. La boîte dans laquelle on va trouver quoi? Il nous faudrait un tout petit peu de Jessie, un tout petit peu, il nous en faut 4-5 de Jessie ici. Ça serait plutôt pas mal, on récupère du Poco, du Ricochet. Nous, on va augmenter Jessie, vous voyez, on va essayer de la faire passer niveau 9. Ça devrait être mon premier brawler qui passe à niveau 9. Donc ça va faire plaisir, on récupère encore des pièces et directement ici... Pour les 3000 trophées que j'ai eu il y a quelques temps déjà, on va récupérer un beau. Ça, ça fait plaisir. Le nouveau brawler qui arrive. Il me manque plus que 4 brawlers, les 2 mythiques et 2 légendaires. Donc du coup, on se met plutôt bien. Vous avez vu, hein, j'ai essayé un petit peu de regarder la gueule de mes doigts. C'est bon, il en restait 2. Et j'ai 7 sur 7 brawlers. Beau tire 3 flèches explosives sur ses cibles lorsqu'il utilise son super. Il pose un trio de mines bien caché au sol. Ça, c'est plutôt intéressant, son super. On le verra tout à l'heure. En gameplay, on récupère encore 50 d'or de plus, on récupère encore de la Jessie qui avance tranquillement, 300 d'or, ça fait plaisir, hein. Ça fait un bon petit paquet d'or pour essayer d'augmenter nos futurs brawlers. Hop, de la boîte, on trouve de quoi là-dedans? Hop, de la Nita, un petit peu de Nita, un petit peu de Dynamite. C'est des petites boîtes, hein. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais c'est pas très très grave. Ici, on récupère un doubleur de jetons x 600, écoutez, ça correspond à 6 boîtes quoi, 6 boîtes classiques, donc... Toujours bon à prendre, hein. Sur le long terme, c'est vraiment très très intéressant, les doubleurs de jetons. Hop, on récupère 12 pièces, du bar tabac et de la Penny. Ok, c'est pas mal, j'adore Penny. Le problème, c'est qu'elle était trop loin pour que j'essaye de la cibler comme première niveau 9. Donc du coup, je me suis dit, on va faire la Jessie. Hop, la Jessie, regardez ici, qui prend 25 et qui s'approche vraiment du niveau 9. Alors regardez, elle est à combien? 547. On va essayer peut-être, grâce au petit coffre, de la faire passer à niveau 10. Et ensuite, on ouvrira la méga boîte. Donc directement ici, hop. Allez, encore de la Penny. Du boule. Ok, bon, ça nous intéresse pas tout ça. Enfin, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse. Mais nous, on voudrait de la Jessie, on voudrait... Allez, pas beaucoup de Jessie. On n'en veut pas beaucoup de la Jessie, mais juste de quoi la faire passer. Franck, Polly, ah, il se moque de nous là. Il se moque de nous, j'ai l'impression que Brawl Stars est en train de me troller. Est-ce qu'on va réussir à les... Ah bah voilà, voilà, de la Jessie qui passe niveau 10, ça. Enfin, qui passe niveau 9 d'ailleurs. Oh, et du doubleur, ça c'est bon ça. C'est très très bon. Donc on va directement l'augmenter. Et pourquoi est-ce qu'il faut l'augmenter directement? Tout simplement parce que ça nous permet, dans tous les coffres qu'on va ouvrir maintenant, d'avoir la possibilité d'ouvrir son Star Power. Et son Star Power, il est vraiment très très intéressant. Regardez-moi ça. Jessie peut réparer sa tourelle et lui rendre 800 PV en la touchant avec son attaque. Donc ça, c'est très intéressant. Un, parce que vous pouvez soigner votre tour. Et deux, parce que finalement, quand vous attaquez votre propre tour, vous avez votre attaque qui va quand même rebondir sur l'adversaire. Et ça, c'est excellent. C'est pour ça que je l'ai pris. Hop là. Allez, Jessie qui passe niveau 9. C'est mon premier brawler niveau 9. Ça fait plaisir. Regardez maintenant. On n'attend plus que le Star Power. On va quand même ouvrir les deux dernières petites boîtes là. Histoire de dire, on sait jamais. Hein. Si on trouve le Star Power dans une des petites boîtes comme ça, ça sera assez exceptionnel. Même si on n'a que 1% de chance sur chaque boîte. 25 barres tabac, ça c'est excellent. Allez, on va s'ouvrir la méga boîte. Allez. Alors là, on a normalement l'équivalent de 10 récompenses. Donc il y a 10 fois... 1% de chance d'avoir un Star Power, 159, ok, 10 pouvoirs, de la Penny, ça c'est excellent, de la Nita, toujours très très bon à prendre, hein, la Nita qui a, oh, le Ricochet aussi qui avance tranquillement, il reste encore quoi là? Il reste du Dynamite, beaucoup de Dynamite, 42 Dynamite, c'est pas mal, et alors on va avoir des tickets d'événement, admettons, c'est pas mal, et ici, les 25 derniers, bah écoutez, je sais pas trop. À qui on va les donner, je pense qu'on va les garder. Le temps de savoir un petit peu à qui les donner, cela, on va les garder tout simplement. Bah écoutez, on va partir sur quelques petites games avec le beau. Hein. Le beau qu'on va tester, bah du coup, on va le tester comment? Franchement, on va pas s'emmerder, hein. on va le tester en survivant. Il n'y a pas beaucoup de buissons, mais de toute façon, il n'a pas encore son Star Power. Le beau est excellent avec son Star Power quand il y a des buissons, puisqu'il arrive à voir les gens qui sont dans les buissons et il les montre à ses partenaires. Donc c'est vraiment très très fort. Mais par contre du coup, quand il n'y a pas encore le Star Power, il n'a pas encore besoin. Alors attendez, j'essaye de le voir un petit peu. Ok. Ok, ok. Bon, il faut se rapprocher un peu quand même, parce que
Il y a un petit peu de, il y a un petit peu de dispersion dans ses attaques. Donc du coup, ok. Alors attendez, comment je peux faire quoi? Voilà. Ok, non, je voulais pouvoir toucher juste derrière. Bon, ça marche pas beaucoup là pour l'instant. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, hop, tiens. Ok. Il tire des. Ok. Ah, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, on va être obligé de courir après. Oh, c'est vrai qu'on a les petites mines, hein, dès qu'on aura le pouvoir. Ah, j'ai tenté. Oh, la mine. Oh, ça va. On s'est suicidé, Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai fait un très très mauvais start. On s'échauffe avec le beau, mais c'est pas grave. On va partir sur une deuxième directement. On aura un top 1. On aura un top 1, sachez-le. On va faire du top 1 avec du beau là. On va pas se laisser abattre par un top 4 là. Directement, c'est pas terrible. On va garder la caisse là-haut pour juste après. Hop. Ok. Putain, il est en train de prendre tarif là. Allez là, c'est qui le patron là? Voilà, hop là, un d'énergie. Et directement, on a pris le colt. Allez, allez, vite, vite, vite. On doit aller chercher celle de là-haut après. Ça va nous mettre 3 d'énergie pour commencer. Et on a déjà quasiment notre star power. Enfin, notre pouvoir spécial. Notre attaque super. Allez, hop. Allez, 3 énergies. Notre super qui est quasiment chargé. On a nos 3 munitions. Et on est prêt à aller chercher de l'adversaire. On a pas grand monde là. Hop, on a personne dans ce bush. Personne dans celui-ci non plus. On va attendre un petit peu, récupérer la troisième attaque quand même. Hop là. On a tenté. Ok, je sais pas où sont les ennemis. Ok, ni là, ni là, ni là. Ok, on a un Brock là. Hop. On va voir un petit peu. Ok, le Brock est mort. Je sais pas si c'était le même. Est-ce qu'il y a toujours un Brock ou pas? Alors j'ai entendu une Jessie. Vous avez entendu, hein, le... Vous avez entendu chez vous aussi la petite attaque de la Jessie. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors attendez, peut-être que le Brock il est là en fait. Peut-être qu'il est... c'était pas le même qui est mort. Non. Putain, il y a encore un mort. Putain, mais tout le monde meurt. Je ne vois personne. J'ai que 3 énergies. C'est pas foufou. Ok, il y a un Brock qui est là. Ok. Ok. Bon, bah on est tout seul dans le bush. On est tout seul dans le bush, d'accord. Ah ouais, ok. Donc là, Jessie, le Brock et le Bull. Ah, le Bull il est à 10, hein. Allez, allez! Ah bah oui, bah voilà! Et voilà comment on fait top 1. Je vous avais dit quoi juste avant? Je vous avais dit, on va faire un top 1 de toute façon sur cette vidéo, c'était obligé, hein. On peut pas, de toute façon, tester un personnage sans faire un top 1. Un test sans top 1, c'est pas un test. Hop là, on récupère ça, et du coup, pour fêter ça, on va faire quoi? Tout simplement, regardez-moi ça. On va aller au shop, et on va prendre les deux box. Les deux box, hein, c'est mérité. Hop, ça va nous faire 3 box en tout, 3 mégaboîtes. Hop là, pour avoir débloqué Beau et surtout pour avoir passé les 4000 trophées. Et pour fêter les 75 000 abonnés, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et je vous en remercie, donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça permet de progresser et ça permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Beaucoup de Brawl Stars, toujours un petit peu de Clash Royale. Donc voilà, autant se faire plaisir. Du Léon ici, c'est pas mal. Le Léon que je tente de passer 500 trophées. Tout en restant pouvoir 1, donc c'est un petit peu compliqué, mais le challenge est sympa. Ici, le boule qui va passer niveau 8, c'est plutôt cool. Le ticket événement et des gemmes. Ok, on prend et on récupère une nouvelle méga boîte dans laquelle on va récupérer quoi? Du Brock, de la Penny qui va passer... Non, elle passe pas encore niveau suivant. Du Daryl, de la Polly. Hop, ça monte chez Polly. J'ai toujours pas augmenté Polly, hein. Et Shelly qui prend 60, il va lui rester combien encore? 5, 6, 7, 8, 87 trophées. Enfin, 87 pouvoirs pour pouvoir monter au niveau du dessus. Et on est bien, on a avancé. Écoutez, franchement, on se met très très bien. C'est ça, rien de le monter pouvoir 8 de toute façon pour l'instant. Et on va renchaîner sur une game tranquillement. Tranquillement, est-ce qu'on va faire encore un top 1? Je ne sais pas. On va voir ça directement. Est-ce qu'on a une box au-dessus? On n'a pas de box au-dessus. Ok. J'aime bien avoir une box au-dessus par contre, parce que du coup ça permet vraiment, une fois que vous avez eu la première box, de rotate et d'aller chercher un petit peu de puissance supplémentaire. Hop là. Alors là, la deuxième box est difficilement accessible.
Ah, les gens s'entretuent, c'est bien ça. Ok, la Shelly qui va être là. Moi, je vais aller chercher l'autre, les autres box là. Il met énormément de temps par contre à chercher les box. Hein. Il met énormément de temps à prendre des box. Donc, ça, c'est compliqué. On va attaquer d'abord celle d'en bas, tout simplement parce que s'il y a quelqu'un qui est en dessous, il va voir que celle-ci est déjà en train d'être conquise. Et donc, du coup, il va pas forcément venir. Ouais, ou alors, c'est Brock et il veut me mettre la misère. Alors, attendez, parce qu'il a son super quand même. Hein. Ok. Tiens. On s'écarte un petit peu pendant qu'on se soigne. Allez, où est Jesse? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Ok, on est 4. Ok. Et on a qui? On a une Penny, hein. J'ai entendu une Penny. Ok, il y a du monde en bas. Ok, il y avait une Penny, c'est bien ce qui me semblait. On va rentrer dans le bush. Donc on est dans le bush. Il y a une Penny en bas. Putain, j'ai pas réussi à charger mon super encore pour l'instant. Voilà, voilà. On va charger notre super tranquillement. Ok, on est 7. On est pouvoir 7. Oh, il y a la Penny en dessous. Oh, ouais, ça fait mal. Putain, j'ai toujours pas mon Star Power, c'est hallucinant. Oh non! Oh, top 2, top 2, dégoûté. Putain, son mortier qui a fait le taf. Hein. Son mortier qui a fait le taf. J'étais bête, j'aurais peut-être pas dû attaquer comme ça. Mais on a vu notre pouvoir qui est vraiment pas mal de pouvoir mettre des mines. Oh, la Shelly, elle est tombée dedans. Elle a complètement explosé grâce à notre pouvoir. Mais bon, on n'a pas réussi à faire top 1, c'est dommage. On refait peut-être une dernière game, histoire de voir si on arrive à choper un deuxième top 1. Mais bon, c'est plutôt marrant comme perso. C'est plutôt marrant comme perso. Est-ce qu'on va aller chercher cette box-là? Vas-y, on va tester cette box là. Je me doutais qu'il allait y avoir quelqu'un de toute façon là. Ok, vous avez vu, putain, le temps qu'on met à aller chercher, une box, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que du coup, un petit peu de. Hop. Alors peut-être que c'est un mec qui doit pas trop farmer les box et plutôt qui doit farmer les adversaires au début. Mais dans cette carte là, il y a tellement de box intéressantes à prendre. C'est dommage ça. Je sais pas pourquoi il veut se battre avec moi. C'est pas moi qui ai le pouvoir. Il est en train de se faire démonter pour rien. Il fait perdre du temps à tout le monde. Et surtout à lui. Enfin surtout à moi parce que lui il va mourir. Regardez. Il est mort là, quasiment. Il va aller se faire tuer par quelqu'un d'autre du coup, mais bon. Et voilà. Oh non, 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 le téléphone qui plante. Oh, ça faut pas. Genre le téléphone qui plante là. Oh mon dieu. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais fuck. Mets-moi en grand. Mais pourquoi il s'est mis en tout petit le con là? Sérieux? Allez, on peut pas s'arrêter là-dessus, bien entendu. Hein. On va être obligé de refaire une game. Non, non, on s'arrête pas sur une game comme ça qui plante... Ok, c'est un dynamite. Enfin, ça m'embête un peu parce que... Du coup, il... Ok. Ok, je vais la prendre. Ah, oh, il a pas pris la box qui est là-bas. C'est étonnant. Bah, je vais aller la chercher, écoute. Hop, elle va être dans le poison dans quelques secondes. Vite, 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 vite. Hop là. On récupère un deuxième pouvoir. Ok, on est encore 10 brawlers. Il y a un Brock. Un dynamite, pardon. Hop, le dynamite qui est toujours là. Et on voit des petites flèches explosives dans le dos, toujours. Hop, il va nous renvoyer. Ouais, c'était obvious. On va essayer de charger un petit peu notre super ici. Sur le costaud. On essaie de.
Alors, on a un ricochet par là. Ça semble intéressant. Oh, j'ai auto-shot comme un débile. Ok, on va essayer de se soigner un petit peu. Ok. Costaud, toujours là. Toujours dans le buisson. On essaie toujours de charger un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Alors, lui, il parcourt. Parcours du chemin. Ah oui, d'accord. Donc, les deux El Costo, ils sont mis d'accord. Ok, nice. Le problème, c'est que mes mines, du coup, elles ont vraiment servi à lui. Boucher le chemin. Mais attendez. Peut-être ici. Mais El Costo qui va venir vers nous. Oh, peut-être! Peut-être le top 1! Ah, attendez, il faut qu'on dégomme celui-ci. Putain, il y a tellement de monde. Oh! Oh non! C'est abusé! Ouais, les deux costauds qu'on fait team up. Bon, à ce niveau, c'est abusé quand même. Alors attendez, on va voir quand même qui est-ce qui va gagner. Pouvoir 8 contre pouvoir 6, bah voilà. Oh là là là. Le duel horrible. Mais c'est le GG, tant pis, on gagne 4 trophées, c'est dommage. La game était quand même intéressante. J'ai pas pu bien profiter de mes mines, je ferai un live où je jouerai quasiment que du beau. Donc n'hésitez pas à suivre les lives. Je suis en live tous les matins jusqu'à la fin des vacances de 10h à midi et tous les soirs. Les soirs, c'est plutôt à partir de 21h et je vais essayer de faire une vidéo Clash Royale et une vidéo Brawl Stars par jour jusqu'à la fin des vacances. Donc profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.